Moi, il y a une dizaine d'années, j'avais eu l'intention d'aller à l'école des métiers de la restauration. Par un manque de scolarité, j'ai pas pu commencer le cours. Mais il y avait un boulanger qui m'avait remarqué quand je travaillais comme plongeur à un endroit. Fait que il m'a demandé si j'étais intéressé à apprendre à faire le pain. Puis j'ai été l'essayer pendant 2 semaines. Puis ça a été un amour comme tout de suite dès le départ. Là. Quand j'ai touché à la porte, quand j'ai compris c'était quoi de faire le pain, quand on m'a expliqué les produits de fermentation, ça m'a vraiment touché. Puis là, j'ai commencé à œuvrer là-dedans. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que j'ai les deux mains dans la porte. Le plaisir de pouvoir faire le pain, c'est quelque chose qui se perd pas, selon moi. Puis il y a beaucoup d'avantages de travailler dans le métier. C'est sûr qu'il y a des inconvénients. C'est pas toujours facile d'avoir l'habitude de se lever très, très tôt. Par contre, comme je dis souvent, au moins ma journée de travail finit assez de bonne heure que j'ai le temps d'avoir une vie personnelle en après-midi, comme quoi je peux aller à la banque ou chez le dentiste sans que ce soit à des heures ou sans que je manque du travail. Je pense qu'un des gros inconvénients aussi dans le métier, c'est souvent la rotation de staff ou même de trouver du personnel. Il y a une rareté dans ces domaines de bouche-là parce que malheureusement, c'est pas comme la construction où est-ce qu'on va avoir des assurances collectives, des plans de retraite. Fait que les gens souvent vont s'orienter dans d'autres domaines à cause de ces inconvénients-là. Mais quand tu le fais par passion, ben faut t'en prendre, faut t'en laisser. Quand j'avais 19-20 ans, j'ai travaillé 2 ans à la pâtisserie de la gare. Où est-ce que j'ai vu plus les bases. C'est là que j'avais la chance de pétrir le pain, puis de façonner, diviser, puis d'apprendre la conception des pâtes à croissant. C'est sûr que dans ce métier-là, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer. Si tu vas à une place où est-ce que tu vas faire 10-15 baguettes par jour, ben c'est pas comme si tu en fais, mettons, 200-300. J'ai rencontré des chefs qui venaient de la France, beaucoup de l'Europe, puis ils m'ont donné un peu toutes les bonnes techniques, les bonnes pratiques, puis la compréhension. Parce que étant donné que j'ai pas l'aspect théorie du métier, il a fallu que je fasse de l'essai-erreur. Puis de fil en aiguille, ben dans le fond, j'ai pris toutes les petits tricks qui m'allaient à moi. Puis maintenant, je développe un peu mes propres techniques, mes propres... puis la compréhension de ton environnement de travail, ben ça aussi, ça prend un certain temps parce que c'est pas du jour au lendemain tu peux lever ton doigt et dire « OK, aujourd'hui, il fait 29% d'humidité, puis OK, il fait 10 degrés. » Non, c'est... Là, aujourd'hui, on va essayer de descendre un peu la température de l'eau, on va essayer de faire 2-3 trucs différents, ça passe ou ça casse. Puis après, tu te rappelles que la dernière fois, OK, j'ai fait ça, c'était pas bon, puis on va essayer une autre technique. Puis si tu fais la même chose à tous les jours en boulangerie, étant donné que c'est un produit vivant, ben ça sera pas le même résultat. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est de t'adapter, puis de performer un peu sur tes connaissances, puis de lire, surtout de lire. C'est un bon tricks pour être capable de voir d'autres techniques. Pour commencer la journée, on rouvre le four. On veut s'assurer que la sole est bien chaude. Quand ça va être le temps d'enfourner, on va aller se faire un bon café, commencer cette journée-là. On va commencer à diviser le pain. C'est de la pâte qui est fermentée toute la nuit. C'est de la fermentation lente qu'on appelle. Peu de levure, mais tranquillement, mais sûrement. Pour avoir du pain régulier, ben, faut qu'il y ait toujours le même poids. Une fermentation lente, ça va être sur le goût que ça va beaucoup jouer. Les sucres sont mangés tranquillement, puis ça donne une pâte, une croûte un petit peu plus croustillante que croquante, parce que ça va prendre en faisant de la fermentation lente, dans le fond, les alvéoles à l'intérieur, tout ça, vont bien se développer. Tandis que si, mettons, on mettrait de la levure, beaucoup plus de levure, puis on veut que ça réagisse vite, ben ça va faire comme un pain de mie, ça va être plus dense puis moins aéré.
Celui-là que je suis en train de faire, c'est mon pain de corazon, qui est un ancien blé comme de vieille culture ancestrale, qui est un petit peu plus goûteux que le blé normal. C'est, je pétris la veille, là, à peu près aux alentours de 10h, 11h, puis le lendemain matin, ben, 4h, je commence à travailler avec la pâte. On peut donner les formes qu'on veut, soit des styles un peu belges, comme la forme d'un ballon de football, ou des boules, ou des pains carrés aussi. Ce qui est le fun avec la boulangerie, c'est un métier qui commence tôt, mais qui finit tôt aussi. Si on veut que moi, on ait des produits frais le matin, ben, faut commencer super tôt. Dans mes bonnes habitudes, je me lève à 3h pour être ici à 3h30. La scarification va permettre, dans le fond, au CO2 que la levure va produire en mangeant le sucre dans les blés. Ça va dégager un gaz qui va faire un peu la violation à l'intérieur. Puis quand on scarifie, ben, ça permet au CO2 de s'échapper puis faire pousser ton pain en hauteur puis gonfler. Super le fun, chaque matin, toujours le lever du soleil, ou dépendamment de l'été ou l'hiver, ben ça vient un peu plus tard, mais à tous les jours, j'ai la chance d'avoir un beau lever du soleil. Commencer bien la journée de bonne heure et de bonne humeur. Fait que ma pâte blanche me sert à faire les baguettes, puis à faire les belges, les pains de miche. Puis si on voit quand on parle de fermentation longue, on voit les petites bulles ici qui contient le CO2, qui sent l'alcool. En fait, c'est un... Ça sent la vie, ça sent l'alcool. Puis c'est ces petites bulles-là qu'on va retrouver à l'intérieur du pain. Ce qui est le fun avec le fait de travailler avec des produits vivants, c'est que c'est jamais la même affaire. Il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à l'environnement, comme on va parler des températures, on va parler de l'humidité dans l'air. Ça joue tout un rôle. L'été, l'hiver, c'est pas la même réaction. En ce moment, j'hydrate ma pâte à 75% d'eau. Puis l'hiver, ça peut être différent, dépendamment des cultures, des récoltes de blé. Exactement. Ben, en fait, c'est surtout au pétrissage. Quand je vois que ma pâte, elle vient trop vite, trop ferme, ben ça veut dire que le blé va absorber beaucoup plus l'eau. Fait qu'il faut en rajouter. Dans le plus ferme que j'ai pétri, c'était à peu près à 72% d'eau. Puis en ce moment, j'étais à 75. Ça aide beaucoup, beaucoup à l'état de la croûte. Si, admettons, je ferme, tu sais, ma pâte est beaucoup plus ferme, ben la croûte va être plus épaisse, ça va être moins rustique un peu, elle va être plus commerciale. J'aime pas vraiment ça. Le métier de boulanger, souvent, c'est à cause que ça s'apprend, oui, en théorie, mais c'est beaucoup en pratique. Puis, des fois, j'ai même de la misère à expliquer aux gens qui commencent qu'est-ce que je fais, parce que c'est tellement... C'est marginal, c'est monotone, puis on vient qu'on perd un peu les pourquoi ça ne colle plus au doigt, puis c'est comme, va plus vite, essaye, puis... Mais c'est la pratique. Il n'y a rien comme la pratique. J'ai dû façonner au moins 2000 baguettes avant d'être capable d'en faire une qui était droite. Mais ça reste que c'est, selon moi, un des plus beaux métiers à pratiquer. Ça. Et maintenant, on va attendre que le pain pousse tranquillement. On va vérifier ici. Ça. Danoise. Fromage à la crème et cerise. Toujours bon pour commencer.
le matin. Oups, j'ai oublié ça là. Comme on dit, on n'a rien inventé, on a juste bien appris ce qu'on fait. La boulangerie, c'est un métier qui n'a pas beaucoup de relève. Malheureusement, les gens trouvent ça souvent assez difficile d'avoir ce lifestyle. Mais ça nous permet d'avoir quand même des bonnes conditions de travail puis d'avoir beaucoup d'appréciation des employeurs parce que quand tu as des jeunes qui commencent le métier, tu veux le garder plus longtemps. Fait que il y a vraiment une belle atmosphère qui se crée au travail. Partout où est-ce que j'ai été, c'était des belles entreprises. Puis les produits comme ça qu'on fabrique, bien, c'est tout le temps des nouvelles créations, peu importe. Tout le monde n'a pas la même recette, tout le monde n'a pas les mêmes méthodes. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu apprends un peu partout, puis tu développes tes propres techniques, puis tes propres tricks, qu'on pourrait dire. Quand on parle de produits vivants, okay, c'est dans le fond la cellule mère qui va être la levure ou le levain ou la pouliche, un ferment naturel. C'est ça qui va donner la vie à ton produit. Il va aller manger, la levure va aller manger les sucres, un peu comme dans l'alcool ou même le fromage. La levure, le produit ferment, va manger les sucres dans le blé ou dans son produit. Il va dégager un gaz qui va permettre de pousser puis de bien donner la saveur à ton produit. De bonne heure le matin, on s'en vient au fournil, on descend en bas où est-ce qu'on va préparer la pâte à croissant. La pâte à croissant, ça consiste à incorporer du beurre dans une détrempe. Je vais vous montrer ce que c'est. Dans le fond, c'est une pâte. Œuf, lait, sel, sucre, levure et tout. Puis on va incorporer un beurre de tourage qui est un beurre plus gras. Il y a moins d'eau à l'intérieur. Fait que je vais vous montrer avec le laminoir ce qu'on fait. On va allonger la pâte. C'est le but de cette machine-ci. Fait qu'on met un petit peu de farine juste pour dire que ça colle pas trop. On allume la Bertha. Et c'est parti. Dans le fond, un croissant, c'est une pâte feuilletée avec de la levure qui va pousser, dans le fond, à la température ambiante. Puis quand on va pouvoir le cuire, bien, il va avoir à l'intérieur plein de petits feuilletages qui est fait par une réaction du gras du beurre. On va juste le tasser ici. Fait qu'on prend le beurre. La même chose. On veut pas aller trop vite parce que sinon le beurre va se déchirer puis il va être difficile à incorporer dans la pâte. Et voilà. On va prendre notre beurre allongé qu'on va déposer sur la pâte. On va le refermer ici. On emprisonne son beurre. On va aller avec le rouleau l'abaisser. On retourne sur le laminoir. On va faire des flips ou des tours qu'on appelle. Un tour double, un tour simple. Ça, c'est mon deuxième laminoir en tant qu'entrepreneur. Le premier que je me suis procuré, dans le fond, quand j'ai eu l'offre de venir m'installer chez Obsession avec eux, j'ai trouvé un laminoir qui était à Toronto, puis il faisait une grosse tempête de neige, puis il a fallu que j'aille le chercher la journée, sinon il y avait un autre acheteur. Fait que je me suis tapé 15 heures de route pour aller chercher mon premier laminoir qui est maintenant hors d'usage. Mais au moins, on a été capable d'en trouver un autre par après, parce que c'est vraiment difficile de trouver du matériel de deuxième main. Mais celui-ci, c'est un nouveau que ses routiers et fils en Montérégie qui nous avaient vendu ça. Et voilà. On a notre pâte qui est laminée. On va les mettre au frigo, on va attendre 30 minutes, puis après ça, on pourra le détailler pour en faire des croissants.
C'est sûr et certain que ce que moi j'adore, c'est le contact humain avec les gens. Quand on entend les commentaires, c'est même déjà arrivé que le monde m'appelle et dit « Yo, je peux-tu parler au patron, s'il te plaît? » Fait que là, un petit moment d'anxiété, qu'est-ce qu'il veut dire au patron, qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, c'était comme « Oh yo, j'ai mangé la meilleure baguette de ma vie. » Puis c'est comme « Ah, OK, cool, nice. » Fait que tu sais, ça motive à toujours être meilleur qu'hier puis moins bon que demain. C'est un métier où est-ce que tu t'adaptes au climat, où est-ce que tu vas t'adapter aux heures de travail, aux commandes des restaurants. Faut que y a toujours dans un environnement qui change. Surtout au Québec comme ça, l'hiver quand il fait super froid, ben faut t'adapter tes produits. Puis tous ceux-là qui sont intéressés un peu par ces métiers de bouche-là, ben je vous encourage à pas hésiter à aller essayer. Des fois, vous pouvez même aller cogner à des portes chez du monde, des boulangeries ou pâtisseries de quartier pour dire comme est-ce que ce serait possible d'essayer pendant quelques heures, voir qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous l'essayez pas, on le sait pas. C'est pas comme faire un gâteau à la maison ou c'est quand on voit une équipe qui travaille ensemble pour réaliser ce que j'ai pour arriver à, mettons, un simple pain burger comme dans quoi que je veux apporter dans cette série-là. Il va y avoir une personne qui va pétrir, il va y avoir une personne qui va la diviser, puis il va y avoir une autre personne qui va... Fait que juste pour un type de produit, tu vas avoir 3, 4, 5 personnes qui vont être autour de ça. Fait que quand on dit manger locaux, je trouve ça toujours intéressant de que le monde voie qu'il y a des métiers derrière ça, il y a des employés, il y a... Nous, quand on vend un produit, mais c'est divisé en à peu près 15 employés comme chez nous ici à la Pâtisserie Obsession. Fait que non, je pense que les gens ils ont tout avantage à encourager local. Surtout que comme nous, on va travailler avec des farines du Québec. Fait que ça retouche un autre groupe de personnes qui sont encore autour du même pain burger ou même de la baguette, là, peu importe le produit qu'on veut mettre en valeur. Il y a toujours il y a un livreur, il y a comme une communauté dans l'agroalimentation où est-ce que les gens vont tout mettre un petit peu son grain de sel pour arriver à la recette finale, qui est dans l'idée ici, quand que les gens vont manger ce que j'appelle un chef-d'œuvre, un cheeseburger, ben il va avoir le pain qui va venir d'une boulangerie, il va avoir la galette de beurre qui va venir d'une boucherie, il va avoir le fromage qui vient de la fromagerie, de l'agriculture pour les fruits et légumes qui vont dans les produits qu'on laitue tomate pour encore un cheeseburger. Fait que c'est pour ça que je trouve que dans l'alimentation, ça prend tout un écosystème pour pouvoir arriver à quelque chose qu'on va construire. Puis dans cette série-là, ben c'est ce que je voulais démontrer aux gens que dans un plat, dans une assiette, on peut retrouver peut-être comme 70 personnes qui ont mis la main à la porte dans ce projet-là. Maintenant que la porte a bien reposé, une bonne demi-heure, on va pouvoir la laminer pour faire détailler des croissants. Pour une pâtisserie boulangerie, le croissant reste quand même un produit assez populaire. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup du croissant que je fabrique, c'est le fait d'utiliser que du pur beurre. La farine du Québec, c'est les moulins de Soulanges qui fabriquent la Super Élégante, qui est une farine de très, très bonne qualité de chez nous. C'est super le fun à travailler, puis... Et voilà. On déroule la pâte. Une pâte bien lisse. On la plie en deux. Puis je vais pouvoir vous montrer ça. Et on la remet par-dessus. J'ai un emporte-pièce qui me permet de pouvoir faire le design du croissant sur la pâte. On enlève l'excès de notre pâte. On coupe. La viennoiserie, c'est toujours mieux de la travailler quand la pâte est bien froide parce que sinon, ça se met à pousser. Quand on dit ça se met à pousser, c'est la levure qui est active. Puis on veut pas trop ça parce que ça se travaille mal et le beurre essaie de s'échapper. On va les couper. Chou, chou.
Je fais une petite entaille pour que les oreilles soient capables de se séparer. Et puis, si on regarde, on voit bien toutes les feuilles, les lignes. Couche de pâte, couche de beurre, couche de pâte, couche de beurre. C'est ce qui rend extraordinaire le croissant. Après, on l'étire et on roule. Procéder à l'enfournement de quelques pains. On va enfourner les bâtards et les miches. On enfourne à la pelle. Il y a des. Étant donné qu'on est une petite boulangerie de quartier, il va à la main de manière artisanale. Cette farine. On envoie l'humidité dans le four. Pour que la croûte ne se forme pas tout de suite. Ça va lui donner un petit peu de temps. Les baguettes faites à la main avec la farine des moulins de Soulanges, de pain dans les voiles. Si on est chanceux, si on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas cuit, on va avoir des baguettes bien croustillantes avec une belle alvéole à l'intérieur. Je mets toujours un petit peu de farine à l'extérieur pour donner un look un peu plus rustique. Et voici ma signature. Bonne chance d'humidité. Maintenant, on attend. Pas encore. Un petit peu plus. Si ça sonne cru, ça montre que la croûte elle a bien croustillé, puis qu'à l'intérieur, il sera plus cru. C'est important parce que de la pâte, quand c'est mal cuit, c'est vraiment désagréable en bouche. Mais ça envoie le signal que le pain est prêt quand c'est bien cru, quand tu sens l'écho un peu dans ton pain. Ben c'est un l'effet positif du COVID pour ce qu'il y en a eu. Je trouve que on a eu beaucoup de compréhension sur qui travaille justement dans l'agroalimentation du Québec. Puis il y a des je vais m'avancer sur un chiffre que je suis pas sûr à 100%, mais je pense que au-dessus de 150 000 personnes au Québec qui travaillent dans les restaurants, dans les pâtisseries, dans les commerces de bouche. Puis on sait que les restaurateurs ont eu des coups durs. Mais sauf que le monde réalise qu'on est capable de faire pousser des tomates, on est capable de faire... Fait on s'est un peu plus intéressé à qu'est-ce qu'on fait ici. Puis il faut en faire encore plus parce que je peux pas croire que, tu sais, avec tous les champs qu'on a, avec toute la place, puis les connaissances, on peut clairement manger plus des produits d'ici. Puis ça va, selon moi, avec la COVID, je pense que les gens vont continuer avec ce vibe-là de manger des produits de chez nous. Donc ici, on a les croissants qu'on a fabriqués ce matin avec le laminoir. Je suis curieux de voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est sûr que quand c'est très frais, c'est très difficile à couper, mais on va y arriver tranquillement. Surprise! Il est encore chaud, la boucane sort encore. C'est belle. On voit ici comme toutes les alvéoles. C'est la réaction entre le beurre et la pâte qui fait que on voit ça. Assez croustillant. Frais, pur beurre, produit du Québec. Mangez locaux, guys.
commencer quand le pain sort du four, mais l'étape qui s'appelle le reçuage. Le pain va perdre à peu près 10% de son humidité. Si on, mettons, on essaierait de manger la baguette tout de suite, oui, c'est très chaud, mais il y aurait un goût d'eau. Il y aurait un goût d'humidité qui serait pas agréable. Faut vraiment attendre un bon 20 minutes avant de manger, même si c'est frais sorti, le stéréotype de manger quelque chose qui est directement sorti du four. Ça va être très, très goûteux, humide, très humide. Commence à être pas pire. C'est un petit peu plus creux qu'au début. Bien doré. Bien poussé. Prêt à être servi. Dans l'objectif de cette série documentaire un peu sur l'agroalimentation, ici on va retrouver les pains burgers qu'on va retrouver dans l'assiette finale, qu'on va décortiquer un bon cheeseburger, pain au lait, façonné à la main, 100 grammes le pain.